Alors, j'espère que vous me voyez bien. Donnez-moi un signe en français, en russe, en anglais. Alors, bienvenue à notre webinaire d'aujourd'hui. Je suis vraiment ravi que nous sommes aujourd'hui ici, mardi soir. Nous avons des actualités pour vous, des actualités. Alors, je vois que notre chambre anglaise, elle a plein de gens. Il y a d'autres salles qui sont là. Alors, chers interprètes, ça marche bien. Alors, on peut commencer, n'est-ce pas? Alors, c'est parfait. Alors, on va commencer. Tout le monde est prêt? Notre training, notre formation d'aujourd'hui. On a décidé d'organiser ce webinaire pour que vous aviez une compréhension absolue de choses qui se passent dans la compagnie et pour que vous puissiez comprendre comment expliquer à votre équipe ce qui se passe dans la compagnie et pourquoi ça se passe. Alors, ce webinaire, ce n'est pas uniquement pour l'écoute. Évidemment, je vais parler. La plupart du temps, vous devez avoir votre stylo, vous devez avoir votre feuille de papier et vous devez noter les formules, les idées principales. Alors, si vous êtes prêt à être actif, un participant actif, alors préparez-vous. Alors, je suis Mila Serdukova et peut-être quelqu'un ne me connaît pas. Alors, je suis membre de notre conseil stratégie. Notre conseil stratégique. Je suis ici dans la compagnie depuis plusieurs années, 10 ans. Je suis très active dans le contexte du développement de l'entreprise. J'appliquais mes connaissances dans les sphères tout à fait diverses de notre compagnie. J'étais assistante de notre PDG et la manière d'élaborer des solutions, on va travailler là-dessus. Alors, j'aime beaucoup parler aux gens, vous savez, contacter les gens, les éduquer. J'aime beaucoup organiser les webinaires comme le nôtre et ce sera vraiment magnifique si vous, les gars, en recevant cette information, vous allez transmettre cette information aux autres membre de votre équipe. Alors, c'est assez déjà, et on va passer maintenant au sujet de notre rendez-vous d'aujourd'hui. Nous tous, on a besoin de changement. Nous, on va en parler, on peut en parler sans cesse. On a besoin de changement dans le contexte de notre croissance personnelle. Il faut nous changer. Vous savez, les choses qui se passent dans le monde, vous savez, il y a beaucoup, beaucoup de changements qui ont eu lieu et beaucoup de monde nous disent que voilà, les choses qui se passent maintenant, c'est quand même, ça crée des situations d'incertitude. Et pour certains pays, ça c'est le temps, l'époque où il y a beaucoup, beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés dans le domaine des relations. Mais en fait, vous savez, ça, c'est un bon moment pour construire votre business, pour être une meilleure version de vous-même. Alors, les choses qui se passent maintenant dans le monde, nous pouvons accepter ça comme une chose qui est tout à fait normale, mais on peut faire des pas en avant, chercher de nouvelles opportunités. Et en même temps, il ne faut pas avoir peur d'attendre les changements. Alors, les moments les plus compliqués donnent beaucoup à la prospérité, en fait, vous savez. Et c'est pour cette raison-là qu'il faut trouver ces diamants ou ces pièces d'or, ces gens-là qui sont capables de réaliser la croissance de la compagnie pour que le monde soit meilleur pour nous tous. C'est pourquoi on construit ce business-là.
Moi, je suis sûr et certain que ceux d'entre vous qui étaient avec nous, vous avez remarqué que la compagnie a beaucoup changé. Et l'année dernière était vraiment compliquée. Mais nous avons créé tout un autre système, tout un écosystème des voix riches, un nouveau monde en quelque sorte, des nouvelles méthodes pour gagner de l'argent, des ressources supplémentaires pour la croissance. Évidemment, il y a des sphères un peu inconnues comme la blockchain, peut-être les jetons, la bourse. Vous savez, pour plusieurs personnes, c'est quelque chose de nouveau. Et une bonne nouvelle, vous savez, c'est quoi? C'est que si vous sentez un peu fatigué de tout ça, vous pouvez vous débrouiller vous-même. Alors, après cette présentation, je suis sûr et certain, vous allez comprendre beaucoup mieux, profondément, tout ce qu'il faut savoir. Vous allez souffler plus tranquillement. Vous allez être prêt aux changements qui vont arriver. Et moi, je voudrais bien parler de notre compagnie, des changements. Mais vous savez, le meilleur exemple, c'est la compagnie bien connue, Apple. Vous avez des téléphones, des ordinateurs de cette compagnie. Mais si on analyse leur histoire, ça a beaucoup changé. Ça a été créé en 1976 et jusqu'à nos jours, vous voyez voir les produits qu'ils font, c'est quelque chose d'incroyable. Alors maintenant, Apple, la compagnie, elle a une multitude de produits et tous les produits ont des segments à eux et des avantages. C'est comme ça que la compagnie a subi une croissance positive. Et on a commencé avec un seul produit, c'était un ordinateur, l'ordinateur personnalisé. Et vous savez, tout ce chemin du succès, ça a pris du temps quand même. Et maintenant, c'est une des meilleures compagnies dans le contexte de la capitalisation. Alors, les changements, c'est quelque chose d'inévitable, c'est pour le mieux. Même si à un moment donné, on ne comprend pas ces changements, c'est difficile de les accepter, ces changements. Si vous regardez votre vie, vous allez trouver beaucoup de changements qui ont eu lieu. Vous n'étiez pas positif envers ça. Mais maintenant, si vous regardez ça, vous allez analyser ça autrement, ces événements. Et vous allez être heureux. Ça, c'est bien que ça s'est passé comme ça. Vous êtes d'accord, n'est-ce pas? Avez-vous eu des situations pareilles? Certainement. Nous, dans nos vies, on a eu des histoires pareilles. Quand on semblait que cette situation, c'est la pire des situations possibles. Mais le temps a passé et nous, on a compris que grâce à cette situation, j'ai reçu beaucoup d'expériences positives. C'est pourquoi les changements dans notre compagnie, ça se passe comme ça. Mais il ne faut pas juger, vous devez comprendre toute l'image, l'image entière, pourquoi le changement se passe, les avantages de ces changements-là, le profit de ces mouvements, de ces changements. Alors, plusieurs de vous, vous êtes des ambassadeurs de notre produit, de notre marque. Alors, vous vous sentez en tant que copropriétaire de la compagnie, vous devez agir en tant que copropriétaire. C'est dans vos intérêts que la compagnie marche bien, de manière efficace. Alors, tout ce qui se passe au sein de la compagnie, c'est pour le mieux. Même si à un moment donné, ça ne semble pas être le cas. Alors, nous avons beaucoup de situations où nos partenaires, ils sont habitués à utiliser des chats, ils sont là, et ils ne font pas attention au cabinet personnel. Mais vous savez, après le webinaire, vous devez passer quand même à ces liens que vous allez vous voir maintenant. Vous allez avoir beaucoup d'instructions, beaucoup d'informations qui vont vous guider. Certaines de ces informations, vous pouvez les trouver dans votre cabinet personnalisé. Alors, je vais les présenter aussi, une certaine gamme de ces produits. Et il y a un tas de documents que vous devez lire et comprendre.
et partager avec les gens qui sont derrière vous ou votre équipe. Comment créer un portefeuille crypto? Faites-le rapidement. Si vous n'avez pas fait, alors l'instruction dans le contexte de la blockchain, chers amis francophones, vous allez voir ça bientôt, les statistiques et tout ce qui reflète la blockchain. Alors voilà. Numéro 3, c'est la conversion de cru en gros cru. Alors ça, c'est l'essentiel, c'est notre sujet d'aujourd'hui. Et c'est quoi? C'est le formulaire d'aide, hein, qui va vous aider à le faire correctement. Outre ça, vous allez trouver notre formulaire d'aide en back-office. Ce formulaire, cette forme, est traduite en 6 langues. Et c'est là qu'il y a des explications qui montrent qu'il faut réaliser la conversion, l'explication de toutes les dernières étapes et combien ça va coûter la conversion. Alors, la dernière des choses, mais c'est vraiment très important aussi, ce sont les questions et réponses. Alors, nous avons une centaine de questions-réponses dans le contexte de cru, bon, cru, toutes ces questions-là. Vous savez, la plupart de ces questions, chers amis, vous posez tout le temps la même question. Alors, si vous lisez ce document-là, vous allez expliquer ça aux gens qui sont derrière vous, votre équipe, vous allez économiser votre temps, beaucoup de temps de notre assistance technique, de Marie, de plusieurs autres qui vont vous expliquer, qui doivent vous expliquer ce que c'est que c'est ça. Parce que là, on utilise un langage correct. Dès que vous avez quelqu'un dans votre réseau, un vieillard, une dame âgée, peut-être ils ont dormi, ils se sont réveillés, ils sont prêts à agir. Ce que vous devez faire, vous devez les envoyer ces liens-là pour qu'ils puissent s'activer, s'inscrire. Comment te faire des crus, vos crus, ce que c'est que la conversion. Alors, on pouvait copier-coller ces liens, on pouvait faire ainsi que ce soit sous la main, quelque part. Si vous en avez besoin, peut-être vous allez partager avec les autres et étudier notre cabinet personnel, votre cabinet personnel. Il y a beaucoup de détails, beaucoup d'informations détaillées sur le marketing. Si par exemple vous cliquez instructions dans votre cabinet, il y a beaucoup, beaucoup de matériel d'instructions, de présentation. Peut-être vous ignorez tout ça. Ça a été créé pour vous. Alors, ça va être utile pour vous, certainement. Alors, il ne faut pas oublier de les utiliser. Et la chose vraiment numéro un d'aujourd'hui, ce sont les changements dans les conditions des jetons. Ça va être une surprise. Ça a été une surprise, mais ça a été annoncé par André samedi passé, il y a une semaine, au cours de notre rencontre à huis clos, c'était une décision qui a été prise par les ambassadeurs qui ont eu la possibilité de voter, de comprendre, de se rendre compte profondément pourquoi cette conversion doit être comme ça. Et je pense que les conditions de la conversion, ça va nous aider à avoir du focus sur notre business. On peut être copropriétaire de notre portefeuille global. C'est pourquoi c'est important de revenir le focus de notre communauté. Les gens de notre communauté, les leaders, ils doivent avoir des revenus supplémentaires pour qu'ils puissent construire leur business. Et tous les gens dans notre communauté, vous savez, en étant des copropriétaires du portefeuille global, c'est quelque chose qu'on veut promouvoir. Alors, la décision a été prise, ce n'est pas pour changer le prix du cru, parce que le prix du cru, c'est dicté par la demande sur le marché, mais changer les conditions des jetons. Changer les conditions de conversion des jetons. Vous voyez, il y a des taux tout à fait différents. Si par exemple, vous avez un certain nombre de crus, vous voulez les convertir en gold cru. Alors, avant le 1er juillet, on a ça. Tout ce que vous voyez maintenant,
Ce sont les conditions favorables, ça existait. La plupart des gens ont utilisé cette opportunité. Peut-être, vous savez, les personnes âgées, peut-être en ont, mais il faut contacter la plupart des gens, tous les gens en fait, avant que le taux change, le taux de conversion change. Alors, si vous posez la question, j'ai moins de 999 crus, mais déjà payé beaucoup plus qu'en vue. Alors, ce qui est important de comprendre, chaque fois, lorsque vous achetez des crus, vous achetez des forfaits de l'Académie de l'investisseur privé, c'était fixé, c'est lié à un certain moment, à une certaine journée, votre cabinet personnel. Alors, lorsque vous avez fait la conversion, lorsque vous faites la conversion, on évalue la transaction. Alors, lorsque vous aviez des transactions au cours de cette diapason, de 1000 crus jusqu'à 9999 crus, ça va être 2 USDU. C'est pourquoi plusieurs de vous, peut-être, vous avez payé plus de USDU. Il faut analyser les conditions. Je pense que vous avez compris le sel. Ça, c'est le prix qui est lié au bloc, à la blockchain. C'est comme ça que ça marche. Ceux entre vous qui vous avez, si vous avez fait la conversion, vous comprenez que chaque fois, vous devez cliquez, confirmez, confirmez, confirmez. Et chaque fois, lorsque vous cliquez confirmer à la blockchain, vous devez payer un USD ou deux USD, et ainsi de suite. C'est pourquoi ce n'est pas le coût pour toute la conversion, c'est pour un bloc, pour une opération. C'est important de comprendre. Alors, après le 1er juillet, les nouvelles conditions de la conversion. C'est très important en tant que partie de notre webinaire. Alors, c'est pourquoi vous devez absolument faire la photo de l'écran. Vous pouvez écrire avec votre stylo. On va calculer ensemble parce que pour moi, c'est très important de voir votre attention, d'attirer votre attention pour que vous puissiez expliquer à vos gens à partir du 1er juillet 2020. On va avoir une phrase simple qu'il faudra suivre. Alors, c'est coût votre minus coût cru plus 1% du coût votre. Alors, on va voir maintenant notre première partie de la formule. Alors, le coût du votre, ça c'est un coût excédentaire conditionnel contribué par UGP Group. Alors, chaque fois, lorsque la compagnie passe d'une étape à l'autre étape, conformément au livre blanc ou à notre plan, le coût de au cru, ça va augmenter. Alors, si vous comprenez, écrivez des plus. C'est pourquoi, de temps en temps, par exemple, du 1er au 4 juillet, du 1er au 4 juillet, la compagnie le coût de la conversion, c'est 0,1 USDU. Du 5 au 13 juillet 21, c'est 0,2 USDU. Du 14 au 20 juillet 2021, 0,3 USDU. Du 21 au 31 juillet 2021, 0,4 USDU. Et à compter du 1er août 2021, 0,5 USDU. Alors, ce 2 est défini pour la conversion. Plus tôt vous faites la conversion, moins ça va coûter. Alors c'est pourquoi nous appelons ça un taux conditionnel, c'est fixé. Alors c'est la première partie de notre solution. Alors, le coût du cru. Alors c'est quoi? C'est le coût du cru à la bourse. C'est un prix vivant, en fait.
que vous pouvez voir la bourse sur Unitex. Vous pouvez y entrer avec votre mot de passe et regardez bien combien ça coûte à un moment donné et définissez. Vous allez voir que ça se définit de lundi jusqu'à vendredi. Alors, si vous voulez calculer concrètement combien vous allez dépenser pour la conversion, vous devez connaître la deuxième partie de la formule. Alors, c'est le coût du cru à la bourse. Je le répète, vous pouvez le trouver à la bourse Unitex, c'est là, parce que le coût est défini par le marché, par la demande, par la proposition. Alors, je vais répondre à vos questions à la fin de notre webinaire. Je vois toutes les questions, mais je pense que si vous m'écoutez attentivement, vous allez trouver vos réponses facilement. Le prix cru, ça se définit à midi, l'heure de Moscou, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Encore un moment, 1% du coût bancaire. Alors, comment est-ce qu'on le calcule? Alors, ça, c'est le taux conditionnel. Vous le connaissez déjà. Alors, ça, cet 1% est lié avec la première partie de la formule. Alors, maintenant, nous avons trois composantes. Nous avons un coût réel de cru. Nous avons le coût de vos crus qui est défini. Et nous avons plus 1% du coût vol cru. Alors, ça veut dire que ces composantes de la formule, nous devons les connaître pour calculer et faire des calculs le taux de conversion. Ça va coûter combien? Alors, ça, c'est la formule. Alors, imaginons que vous avez 1000 crus. Vous avez décidé de changer, de convertir ces crus en vol cru. Alors, 1000, c'est une constante, c'est un chiffre fixe. Alors, comment est-ce qu'on calcule ça? Alors, chers amis, vous allez voir notre exemple. Malheureusement, c'est un peu en retard. Ça va être montré bientôt. Ah, voilà. Non, 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 attendons, attendons un tout petit peu. Parce que sans la visualisation de l'exemple, si je commence à vous expliquer le calcul, vous savez, ça va pas marcher bien. Alors, prenons notre 1000 crus. Vous devez apprendre cette formule et ça vous va vous montrer combien vous allez payer en USDU. Alors, chers amis francophones, la slide suivante, c'est l'exemple qui va vous montrer comment ça marche, ces chiffres-là. Alors, voilà, chers amis. Je vais voir ici comment notre formule, ça marche.
Alors, chers amis, on va passer à notre slide suivante. C'est quoi? Y a rien là-bas. On va faire de la partie que ce sera important pour vous, surtout si dans votre structure, vous avez des vieillards, comme on dit, les gens qui sont avec nous depuis longtemps quand même, mais n'ont pas de cru, n'ont pas de bonus. Je parle de nos partenaires qui ont beaucoup de crus, en fait, qui ne l'ont pas converti quand même. On ne les a pas convertis en vol cru. Et pour les novices, il ne faut pas vous inquiéter. Ça, c'est pour nos partenaires, entre guillemets, vieillards, pour qu'ils puissent comprendre comment ça marche, pour qu'ils expliquent à leurs partenaires que le temps, vous savez, c'est le bon moment de convertir, parce que chaque fois, le coût de la conversion, ça va augmenter. Ça va augmenter une fois par semaine. Alors, le temps, c'est fini quand même. Alors, si vous ne le faites pas maintenant, ça va être cher la semaine prochaine et ainsi de suite. C'est très important de comprendre comment ça marche. Alors, prenons 1000 crus. Zéro trois, ça c'est le taux. Alors la question qui se pose, quand est-ce que votre cru va coûter 0,3 USDU? Et je vous ai dit qu'il faut mémoriser les choses ou bien les écrire sur des feuilles de papier. Alors quand est-ce que ça va coûter 0,3 USDU? Dans la chambre anglaise, on a déjà des réponses. Le Cherise nous a écrit du 14 juillet. Oui, c'est au mois de juillet, évidemment. Je vais montrer ça sur la slide. Alors, ce que vous devez faire une photo de l'écran. Alors, 0,3, je l'ai pris. Je l'ai pris, regardez. Dans notre slide où il y a des chiffres, du coup, des taux. Alors, 0,2 USDU, ça vient d'où? C'est en rouge. C'est le taux de change de cru pour la période spécifiée. Vous avez bien répondu, c'est comme dans la salle, c'est la bourse Unitex, c'est vrai. Alors, la taux de composante, c'est 1% de du prix fixé, votre cru. Alors, c'est pourquoi, si par exemple, vous mettez tous ensemble, alors, vous avez calculé, non? Le pourcentage, je ne vous le dis pas encore. Un petit secret. Alors, je vois nos réponses correctes. Alors, le montant total de la surtaxe pour la conversion. Alors, la conversion sera combien, sera coûté combien? 1000 crus. Alors, ah, il y a des chiffres tout à fait différents. Je suis sûr que dans les autres salles, c'est un peu différent parfois. Alors, sans toi, ça c'est la question, ça c'est la réponse correcte. Alors, calculons ensemble. Alors, chapeau, ceux qui ont pas vu. Alors, ça, hein, c'est presque. Mais vous avez oublié peut-être 1%, 1% de la somme. À un moment donné, c'était compliqué. La première fois, c'est chouette que vous avez participé, vous avez pu le faire pour comprendre où on a cette incompréhension. Mais la réponse correcte, c'est 103. 103. Alors imaginez que c'était 51. Maintenant, c'est 103.
Alors, vous voyez, la dernière partie, c'est un peu compliqué peut-être. C'est 1% du prix. C'est 1% du prix. Alors, 1000 par 0,3, partageons par 10, par 100. Voilà, 103, 103. 103 USD. Alors, j'espère bien que nous, on comprend comment ça marche, la formule. Vous l'avez testée. Et j'espère que vous tous, vous avez eu le résultat 103. J'espère que c'était utile pour vous. Alors, quel mot doit plus? Et si vous avez compris les choses, ça a donné la compréhension de l'action, en fait. Alors, je vous remercie. Je vois que notre feedback est parfait. Alors, ici, on va couvrir certaines questions qui sont posées par vous, chers amis, chères mesdames et messieurs. Alors, pourquoi ça se passe? Pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas laisser comme ça se passe? Alors, vous savez, lorsque j'ai commencé ce webinaire, au début, les changements sont inévitables, même dans notre compagnie, pour correspondre à nos objectifs, et ils sont très élevés. Vous vous souvenez, 15% de la population qui reçoivent leur éducation dans le domaine de la littératie financière. Nous avons ajouté beaucoup d'instruments cette année. Et qu'est-ce que nous avons remarqué? Alors, nous, on ne reçoit pas assez de ressources financières pour faire des paiements. Il n'y a pas de ressources, assez de ressources pour investir, pour élargir le portefeuille, pour en même temps, en fin de compte, payer les dividendes aux gens. Et si les gens ne reçoivent pas les dividendes, ils n'ont pas respecté leur jeton, parce que ça ne donne pas assez de lait, entre guillemets. Alors, vous devez être d'accord avec cette idée, et on l'a expliqué pendant le webinaire. C'est la vache. Lorsqu'il y a deux animaux, un mâle et une femelle, vous savez, le mâle, ça coûte, ça donne des dividendes, c'est quelque chose qui est valable. Et nous, on crée un mécanisme pour que les gens puissent faire le transfert des crus en vol cru. Plus de gens font la conversion en vol cru, plus de jetons sont brûlés en quelque sorte. Ça va créer l'atmosphère du déficit lorsque la demande est restreinte. Alors, ça va créer une demande supplémentaire en vol cru. Quand on a une demande qui s'élève, alors, selon les règles de l'économie, alors le prix augmente. Alors, le coût de cru, ça va grandir à cause du déficit. Et lorsque le prix augmente, au prix que nous avons avec l'autre cru, alors croyez-moi, les traders, ils sont à la bourse. Mais la plupart des gens ne sont pas des traders. Ils achètent aujourd'hui des crus parce que ça coûte rien. Et ils veulent qu'ils aient des crus dans le portefeuille. Ce n'est pas pour la spéculation. Vous êtes d'accord, n'est-ce pas? Alors, qu'il y ait des plus si vous êtes d'accord. Alors, des minus si vous n'êtes pas d'accord. Alors, je parle de la raison de l'achat des crus à la bourse. Ce n'est pas parce qu'ils veulent faire du trading. C'est parce qu'ils veulent jouir de belles conditions, convertir les crus en vol cru à votre copropriétaire. Parce que la compagnie a promis, parce que le changement, le coût d'échange, ça va être 1 contre 1 au cours de l'année. Nous, on respecte ce qu'on a promis. Mais notre tâche, ce n'est pas la création de gens qui sont des traders uniquement à notre bourse.
on voudrait bien avoir un grand portefeuille pour que les jetons soient une sorte de vache qui donne du lait. C'est pourquoi, à cause de l'échange interne, le prix a baissé et maintenant ça va augmenter. Et les partenaires, les nouveaux venus, vont acheter avec beaucoup de plaisir directement via back office, les walkthroughs, les JPEG. Et dès qu'on a notre focus des partenaires dans notre back office, il y aura de nouveaux volumes. Dès que les volumes JPEG augmentent, le portefeuille élargit, s'élargit. Lorsqu'on ajoute de nouveaux instruments dans le portefeuille, on a plus de bonus, plus de dividendes dans le programme de fidélité. Et évidemment, lorsque le volume augmente dans le cabinet personnel, évidemment, nous, on a plus dans notre revenu de réseau. Alors, les gens qui sont dans le business et veulent avoir des chèques intéressants, ils veulent faire des présentations, ils le font avec beaucoup de plaisir, ils veulent une récompense, ils ne veulent pas organiser des présentations pour rien. Parce que, vous savez, c'est comme ça. L'unitel, c'est une partie de notre écosystème. Le volume, là-bas, c'est bien. Mais, vous savez, ce n'est pas dans le contexte du plan marketing. Et vous vous souvenez, vos creux, en période de gel, 365 jours. Et au cours de ces 365 jours, ce jeton va être à la bourse. Et nous, on ne peut pas avoir une situation où nous, on vend tous ces jetons. Nous, on veut une prospérité. On veut construire une nouvelle évolution économique du monde pour que les gens puissent jouir la goûter les joies du vivre, pour qu'ils puissent construire leur business. C'est pourquoi nous voudrions bien que Volcru, avec le plan marketing évidemment, soit une opportunité unique, exclusive, qui ne va pas durer l'éternité évidemment, mais qui va vivre pendant une certaine période. Parce que Rich, ça c'est un partenaire de GB Group qui permet de gagner aux gens lorsqu'elles font la promotion de Volcru. Elles gagnent des commissions selon le plan marketing. Nous, on est la seule compagnie qui a créé un mécanisme pareil. Nos partenaires ont un temps restreint quand même pour en profiter, pour utiliser cette opportunité. C'est pourquoi tout ce lien logique que vous avez vu sur votre écran, ça explique les choses. Ce qui nous manque dans notre communauté, et ce qui est important aussi, le jeton cru, son histoire, son futur, c'est le jeton technique, utility token. Peut-être ceux qui ont été au webinaire de Marie, André, on a dit là-bas que le jeton cru, ça va être un jeton indépendant. Nous, on reçoit des propositions de toutes sortes. Comment nous pouvons envoyer ce jeton aux bourses diverses et tous nos instruments ensemble? Ça va être uni dans un seul écosystème. Ce sera un écosystème uni. C'est pourquoi c'est très important que vous expliquiez à vos partenaires qu'ils fassent l'investissement maintenant. Le taux est intéressant. On a donné assez de temps pour faire leur conversion. Alors, expliquez-leur comment ça marche, la formule. Montrez aux gens cette logique. Pourquoi on le fait? Alors, tout d'abord, il faut parler de ce webinaire-là à votre équipe. Aider tout le monde, tous ceux qui veulent convertir les crus en vente crue. Alors, la troisième chose, le plan des actions doit être élaboré. Il faut qu'ils participent au webinaire pour que notre communauté planifie ensemble comment on va faire cette promotion. Ce n'est pas uniquement YouTube pour qu'ils puissent utiliser certaines chaînes, canal d'information. Il faut qu'ils apprennent comment trouver cette information. La quatrième chose, il faut que vous faites l'accent sur notre nouvelle évolution économique du monde, notre mission, notre
Marketing multipalier, alors ça, c'est un instrument vraiment important dans notre système. Ça va gagner assez dans notre portefeuille, assez de profit. Si ton business à part quand même, alors qu'est-ce qui se passe? Les gens font des spéculations, ils gagnent comme ça. Mais vous savez, ce n'est pas tout le monde qui voudrait bien devenir des traders, des spéculateurs. Alors nous, par exemple, si on crée des spéculateurs, des traders, nous, on ne pourra pas construire une nouvelle évolution économique du monde. La nouvelle évolution économique du monde, ce n'est pas du trading. Ce n'est pas pour acheter prix bas, vendre prix élevé. Nous, on doit avoir beaucoup de clients, beaucoup de promoteurs. En revenu passif pour l'argent, avec les actifs aussi, vous pouvez passer ça, transmettre ça aux autres générations. Nous, on a besoin de 15% de la population mondiale. Ça crée notre écosystème, ces instruments-là. Ça existe en réalité. Global Win, Pay, JPEG Group, Unitex, les garanties digitales. Alors, il y a beaucoup de compagnies qui vont apparaître, vont trouver leur niche sur le marché. Nous avons eu beaucoup de chance parce que nous, on est des copropriétaires. Je suis vraiment ravi d'être copropriétaire de la compagnie Everreach. Nous avons des contrats uniques. Nous, on peut devenir des agents de ce business-là. Ça, c'est le sel du modèle de l'entreprise, du marketing multipalier. Ça vous donne le maximum du profit, le maximum du revenu, alors le maximum que vous gagnez de votre business, tout ce que vous dépensez pour votre style de vie, ça va être à vous. Dès les premiers revenus, vous vous souvenez, 10%, vous mettez de côté. Alors, je me souviens que vous vous souvenez de 8 règles de l'investisseur privé. Alors, vous mettez de côté 10%. Alors, mieux vous gagnez, plus vous pouvez investir. Alors, votre portefeuille sera plus grand, tout simplement. Et vous allez toucher plus de dividendes dans les programmes différents. Alors, la nouvelle la plus importante de notre soirée, j'espère que vous allez lire cette information attentivement sur notre slide, c'est que le passage, le début estimé de la transition à l'étape 3 de la remise en œuvre de la VOCLE aura lieu à partir du 1er septembre. Du 1er septembre. Et le prix de votre cru sera déjà de 0,8 USDU. Et nous avons une nouvelle maintenant. Il faut partager cette nouvelle avec tout le monde. Alors, c'est très important de faire la conversion avant le 1er juillet, le plus vite possible. Alors, évidemment, ça, c'est le 1er septembre, évidemment. C'est pourquoi c'est très important de faire cette conversion, d'expliquer à vos gens-là. Alors, c'est le 1er septembre. Ah, il faut vérifier parce qu'il y a des questions de nos Italiens. On n'est pas sûr si c'est le 1er septembre ou le 1er août. C'est le 1er septembre ou le 1er août. Alors, la chose la plus importante, vous savez, vous devez lire, comprendre, vous devez parler aux autres, surtout que. Si vous avez de nouveaux membres de votre organisation, vous pouvez parler de ces informations et ainsi vous pouvez stimuler l'importance de la conversion. Alors, vous savez, les gens, ça prend des semaines pour qu'ils fassent, prennent des décisions, mais il faut prendre la décision. Il ne faut pas attendre. Et tous les membres de votre équipe, il faut leur expliquer l'importance de la conversion maintenant. S'ils veulent le faire, évidemment, après. Le 1er juillet et tous les avantages. Après le 1er juillet, les taux seront différents. Les taux seront plus élevés.
Et les gens, ils doivent avoir un taux convenable quand même. Il faut revérifier peut-être dans le cabinet personnel le mois et les Italiens, c'est le 1er août, il faut vérifier. Nous, les francophones, c'est le 1er septembre. Chez les Russes, c'est aussi le 1er septembre. J'espère que vous avez appris pas mal de choses aujourd'hui. Je voudrais bien que notre webinaire d'aujourd'hui, il faut que ce soit assez court. Je voudrais bien répéter encore une fois cette idée. Vous devez quand même, il faut expliquer à vos gens-là les choses que vous savez. Toute cette information, toutes les nouvelles que vous apprenez chez les leaders, la consistance de la logique, les avantages qu'ils reçoivent, et l'essentiel, les changements, c'est toujours pour le mieux. La compagnie existe depuis 5 ans déjà, et vous savez, je ne crée pas de solution négative pour les gens. Vous savez, lorsqu'on investit, c'est une partie du business. Et lorsqu'on est investisseur professionnel, je comprends très bien que les investissements, ça va donner le retour, le rendement. Il faut expliquer aux gens que la décision a été prise par la compagnie, par André. Ces décisions prises pour les gens. Parce que les gens, ils sont toujours le centre de notre écosystème. Et sans vous, sans votre structure, sans votre zèle, sans vos efforts, nous, on ne peut pas atteindre les objectifs qu'on a maintenant. Alors, il faut travailler là-dessus, il faut parler de ces choses-là à tout le monde, il faut avoir notre focus sur ce que nous devons avoir. On va faire tout pour vous, chers amis. Alors, merci et au revoir.